Bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. L'UPR TV avait à cœur de prêter son studio et ses locaux aux Gilets jaunes qui le souhaitent. Je précise que bien évidemment, les propos tenus lors de cette émission n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR ou l'ensemble des Gilets jaunes. Pour animer ce débat, je laisse la parole à Bruno, un chef d'entreprise du Val-de-Marne qui a 54 ans et qui est un Gilet jaune de la première heure. Excellente émission à tous. Eh bien, merci Fabien, je te remercie de cet accueil et puis on remercie aussi UPR Télévision qui nous permet de faire ce débat dans vos locaux et c'est avec une grande admiration qu'on vous regarde et que vous allez nous regarder. Aujourd'hui, on est 5, on va se présenter. Moi, je m'appelle donc Bruno, j'ai 54 ans, je suis chef d'entreprise, je viens du Val-de-Marne, dans le milieu de la piscine et dans le milieu de la nuit. Alors, à côté de moi, nous avons 5 intervenants. Pierre-Louis. C'est ça, tu as 20 ans, tu es lycéen, tu viens de Paris 18e, c'est ta deuxième manifestation, on revient après sur toi. C'est ça. À côté, on a quelqu'un qui vient de Melun, du Philippe. C'est ça, Philippe, 77. 48 ans, tu es ouvrier, salarié. Salarié. Et gilet jaune depuis la première heure. Depuis le 17 novembre. Eh bien, c'est bien. Nous avons aussi Régis qui vient avec nous aujourd'hui, 43 ans, c'est ça Régis? Tu viens d'où? Tu viens de Réau dans le 77, tu es responsable dans la vidéosurveillance? Voilà, responsable d'une agence, on installe de la vidéosurveillance. D'accord. Et puis à côté de toi, bah, nous avons Daniel, notre doyen aujourd'hui, d'accord? Je ne fallait pas le dire. qui est retraité, tu nous viens d'où? De Montfermeil? Voilà, du 93, Seine-Saint-Denis. D'accord, et tu es retraité de quoi? Tu faisais quoi avant? Alors j'étais chef d'entreprise pendant 35 ans. Dans quoi? J'étais photographe. Ah bah disons, bah c'est bien. Et tu es aussi handicapé. Et je suis aussi invalide handicapé à plus de 80%. C'est important. Oui. D'accord. Alors on va venir de suite au premier sujet de la journée, de l'après-midi plutôt, de ce premier débat, de ce deuxième débat je crois. Pierre-Louis, donc lycéen, 20 ans, Paris 18e, tu vas nous parler de la jeunesse et de l'implantation des jeunes et de la responsabilité des jeunes dans le mouvement des Gilets jaunes. Oui, tout à fait. C'est moi, je pense que c'est très important de souligner. Parce que on dit souvent que les gilets jaunes, ben ça concerne principalement ceux qui sont dans une situation précaire, ceux qui touchent pas assez pour pouvoir vivre dignement de leur travail, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais ceux qui ont du mal à travailler, tu veux dire? Ceux qui ont du mal à pouvoir vivre, en fait, vivre comme les autres font. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans les salaires, une différence de vie. Et cette différence, elle est pleine par beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, toi, tu es impliqué dans les Gilets jaunes. Ton but, il est de quoi? De revendiquer le fait qu'il y a des jeunes dans les Gilets jaunes, que la précarité, elle augmente chez les Gilets jaunes? Justement, que les jeunes devraient s'impliquer plus que ça, parce qu'ils se disent qu'ils ne s'impliquent pas, qu'ils laissent ça à d'autres, parce que ça ne les concerne pas, qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais moi, je dis qu'aussi, ça va nous concerner bientôt. Et il faut qu'on commence à s'intéresser au sujet, qu'on commence à se questionner sur notre avenir, mais pas seulement sur que choisir pour notre avenir, quelle filière, quelles études on va faire plus tard, mais plutôt quel sera notre train de vie, ta vie d'après. Voilà, c'est ça. Il faut s'interroger là-dessus et le plus rapidement possible, parce qu'ils sont en train de nous dire que ça va arriver le plus rapidement possible, le plus vite possible, et c'est effectivement le cas. Les gens sont d'accord. Donc pour toi, c'est important que les jeunes, finalement, viennent se rassembler et viennent avec nous dans la rue manifester leur désarroi, quoi. Qu'ils disent au moins leur sujet, qu'ils viennent au moins discuter, qu'ils viennent échanger, parce que... On va leur demander de venir plus, alors. On lance un appel à la jeunesse. Venez nous voir, la jeunesse, parce qu'on en a besoin dans les manifestations. On n'a pas besoin aussi, on ouvre tout le monde, finalement. Oui, et surtout qu'on soit ouvert, qu'on ait tous les points de vue, y compris des vieux, des jeunes, des âges moyens, de tout le monde. Que tout le monde se sente concerné par ça et qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre, qui est en cours actuellement, et que tout le monde ne se sente pas exclu parce que justement, ils ne sont pas concernés. C'est bien. On va passer à Philippe qui va nous parler, lui, de son sujet. On va te laisser quelques minutes quand même pour parler de ton petit sujet à toi. Toi, tu voulais parler un petit peu de ta vie sur les ronds-points, Et puis aussi des CRS, etc. Ce qui se passe sur les ronds-points, tu m'interroges et je vais te dire ce qui se passe sur les ronds-points. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les ronds-points? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment de se dire, les ronds-points, ça change. Bah, écoute, moi, je suis sur le rond-point depuis le 17 novembre. On a un rond-point qui est bien défini sur Melun. Et on a vu beaucoup de monde sur les premier week-end, ensuite ça a baissé, il y a des nouvelles têtes qui viennent, d'autres qui partent, mais globalement, nous on tient notre rond-point.
C'est-à-dire quand vous tenez votre rond-point, tu fais des barrages, tu laisses filtrer. Alors, le premier mois, on a commencé à ralentir un peu les voitures, on voulait bloquer une voie, et puis on a eu de plus en plus de pression de la police qui nous a dit qu'il fallait absolument pas le faire parce que sinon, on pouvait avoir des accidents et éventuellement porter comme responsable. Et puis on s'est aperçu aussi que finalement gêner les gens, les embêter pour aller au travail ou quoi que ce soit, c'était pas fédérateur. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas fédérateur, c'est-à-dire le rassemblement se fait pas en forme de blocage. Non, parce qu'en en bloquant les gens, on les embête plutôt qu'autre chose. Et il y a plein de gens qui sont d'accord avec nous, mais qui veulent simplement aller travailler. Et je pense qu'en fait, maintenant, on a compris, on fait une autre façon et on bloque pas. C'est-à-dire qu'on montre du jaune sur le rond-point. Votre présence. Voilà, la présence, et on n'a jamais eu autant de coups de klaxon. Fédérer les gens qui passent en leur disant on est là, n'oubliez pas, on avance pour vous. Voilà, ils passent le matin, ils passent le midi ou ils passent le soir, ils voient la lumière, ils voient. Ils nous voient quoi sur le rond-point et ils nous klaxonnent. Mais toi, quand tu dis que tu t'imprègnes un petit peu, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être tous les samedis sur les ronds-points? Faut savoir qu'un rond-point, si vous êtes là vendredi, samedi, dimanche, déjà c'est très fatigant. Un rond-point, c'est très fatigant. Et puis il y a une organisation. Et puis on va tracter le matin, par exemple. Et puis il y a une partie qui reste sur place. Et ça te fait pas peur aujourd'hui quand on entend dire qu'il y a beaucoup moins de gens sur les ronds-points ou que certains sont chassés par les CRS ronds-points? Si, bien sûr, mais on se méfie aussi de ce qu'on entend. Nous, on gère notre rond-point, on essaiera de le garder le plus longtemps possible. Maintenant, je pense que tous les groupes essayent de faire pareil. C'est vrai. Alors donc, ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez des ronds-points, si vous voulez les tenir, tenez-les, parce que la preuve, on a un rond-point ici à Melun, le rond-point de l'Europe, et ça passe très bien. Nous, on lâchera rien en tout cas, et on est là. Et on a la population avec nous, qui nous nourrit. D'accord. On a plein de gens qui s'arrêtent, qui nous donnent des galettes des rois, du champagne. Donc si vous êtes près de Melun, vous pouvez toujours aller les rejoindre, ils sont là sur le rond-point de l'Europe à Melun. C'est ça? C'est ça, Bruno, tout à fait. Ben merci de ton interprétation. On va passer à quelqu'un d'autre qui est avec nous. C'est Régis, 43 ans, responsable dans un magasin de vidéosurveillance. Toi, tu voulais nous parler de la légitimité de M. Macron ou de l'illégitimité de M. Macron, si tu veux, et des revendications un petit peu des Gilets jaunes. Il y a une question que je me posais. Pourquoi les Français sont aussi en colère en ce moment? Il y a plusieurs raisons, dont celle que je viens de soulever. Le président n'est pas forcément... légitime, parce qu'on s'est aperçu que le temps de parole, la réglementation est telle qu'elle est, mais elle n'est pas juste. Aujourd'hui, peu importe un candidat, à partir du moment où on fixe un nombre d'élus qui subventionnent quelqu'un, il devrait avoir autant de visibilité. Il n'y a pas de petit ou grand candidat. Déjà, ça, c'est, on n'est pas sur un pied d'égalité. Et en France... on devrait être à cheval sur cette égalité. Monsieur Macron a fait des promesses qu'il a tout de suite... mis en place. Non, qu'il n'a pas tenues, puisque aujourd'hui, je prends l'exemple des retraites, mais il y a un nombre important de promesses qu'il n'a pas tenues. Il avait dit qu'il ne toucherait pas au pouvoir d'achat, il y touche. Donc pour toi, il est légitime pour toi quelque part ? Il est légitime, totalement. Puisque déjà, on devrait pouvoir voter et avoir la même quantité d'informations sur tous les candidats. Il est anormal qu'un candidat fasse des promesses et 6 mois après, il fait l'inverse de ce qu'il dit. D'accord. C'est-à-dire que ces écarts de parole, ou c'est par rapport à ces écarts de parole, ou c'est par rapport aux réformes qu'il a mis en place et qu'il a instaurées par rapport à ses promesses électorales? Encore une fois, je redonne l'exemple. Il avait dit qu'il ne toucherait pas aux retraités, au pouvoir d'achat des retraités. Et on voit qu'aujourd'hui, ça ne l'a pas dérangé de faire donc, autrement. Donc pour toi, c'est quelqu'un qui est totalement pas à sa place, quoi. Donc pour moi, ça fait partie des choses qui font que... Et les revendications, dis-nous deux mots sur les revendications un peu que tu penses sur les Gilets jaunes. Alors les revendications, moi aussi je suis sur le rond-point, aussi du côté de Melun. On discute, il ressort à peu près toujours les mêmes choses. On parle de taxer les entreprises, les grandes entreprises au même titre que les petites, ce qui serait normal. Donc, ouais. On parle d'améliorer les retraites. Alors, je dis améliorer, on parle plus de garder ce qu'on... Les acquis. Les acquis, mais la logique voudrait que... La revalorisation des retraites,
La logique voudrait que normalement, pour nos enfants, le système soit meilleur. Non, là, on parle de garder ce qu'on a et en plus, apparemment, ils voudraient plutôt même nous les baisser. D'accord. Une autre chose, il y a les gens qui voudraient interdire les délocalisations, puisque c'est une catastrophe. On voit de plus en plus d'entreprises. La désertification et la délocalisation de France vers l'Europe. Un certain protectionnisme. Les D'accord. gens. On n'est pas pour s'enfermer, mais un protectionnisme intelligent pour aider nos entreprises françaises à supporter des concurrences parfois déloyales. Interdire l'évasion fiscale, tout ça, c'est des mesures que les gens veulent, déjà dans un souci de justice, et qui pourraient rapporter beaucoup d'argent, parce qu'à chaque fois, on nous dit « mais il n'y a pas d'argent ». Donc ça, c'est des choses... — Mais il y a de l'argent, hein, je te rassure. — Mais c'est des choses que les gens vraiment souhaitent. Et les gens aussi veulent, j'ai remarqué, conserver et améliorer nos services publics. D'accord. C'est quelque chose que toutes ces revendications, on les entend. Ça, c'est les revendications de base qu'on voilà. entend. Mais alors, par contre, il y a une chose auquel les Gilets jaunes ne comprennent pas, c'est que ces revendications, elles sont impossibles avec Macron et avec quelqu'un d'autre tant qu'on est dans l'Union européenne. Ça, on va en reparler après l'Union européenne. On va d'abord passer la parole à Daniel. Mais c'est important. Daniel. Parce que après, le problème... on va y revenir. Parce qu'après, on va discuter tous ensemble sur certaines choses. On va parler de l'Europe. Parce que c'est important. J'ai peut-être pas les mêmes avis que vous sur l'Europe. Mais c'est la démocratie. Il faut savoir en parler. Chacun doit défendre ses intérêts, comme on dit. D'accord. On va parler à Daniel. Daniel, 65 ans, retraité, handicapé. Bon. Tu viens de Montfermeil dans le 77, non 93, non 93, d'accord. 93, ouais. Alors toi, tu veux parler des pertes de nos libertés. Oui, je veux. Les Gilets jaunes. Alors, je voudrais effectivement parler d'abord de ce mouvement Gilets jaunes, qui est un mouvement, évidemment, tout le monde, sur toutes les télés, les radios, le met en relation avec ce que fut 68. Un grand mouvement, du reste, on peut dire qu'après 68, c'est le seul plus grand mouvement populaire qui soit, que l'on ait connu en France. Alors, c'est un mouvement de révolte légitime, ce mouvement, que personne n'a vu venir, ni dans les médias, ni les politiciens. Ça a éclaté aux yeux de tous, quoi, comme ça, de façon subreptice, et voilà, et personne... Alors, aujourd'hui, eh bien, on se pose un peu pour comprendre, essayer de comprendre l'origine de ce mouvement, qui est un mouvement légitime d'insurrection populaire d'une masse de gens, d'une masse importante, même s'ils ne sont pas tous dans la rue, parce qu'il y a des vieux, il y a des gens qui ont peur, qui ne veulent pas se faire crever les yeux par notre police qui devient de plus en plus illégitime et criminelle. Voilà, donc, mais bon, partout, c'est un mouvement qui se lève en France, mais aussi, bien sûr, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans toute l'Europe. Et moi, je vois des vidéos... De jeunes Français qui vivent aux États-Unis qui nous disent mais vous savez, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, les gens sont tous devant leur télé, évidemment sur le net, vous avez bien compris, dans les télés, tout est censuré. Ce mouvement, il ne faut pas qu'on sache qu'il s'exporte. Et bien, hein, que... Mais excuse-moi, je t'interromps parce que tu dis quelque chose qui est bien, tu dis les pertes de liberté. Oui. Et comment tu trouves l'image qu'on donne un petit peu au monde entier actuellement des Gilets jaunes et de la France ? Fabuleuse. Parce que tu dis qu'on donne, on perd nos libertés. Oui. Mais actuellement, tu as le monde entier qui est figé sur la France en train de dire « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Macron ? Qu'est-ce que vous faites ?» Oui. Donc on est bafoué de nos libertés. Oui, absolument. Absolument. On est bafoué. On arrive dans un régime, dans une société qui, depuis... ça fait longtemps, hein. 44 ans. Ou plus que... Bien, moi, je dirais déjà... C'est déjà beaucoup, hein. Oui, c'est déjà beaucoup. Hein, voilà. Bon, donc les libertés sont amenuisées. Et il y a derrière une volonté des puissants, une volonté de ceux qui nous gouvernent, parce que les Gilets... Vous savez, il y a en fait... Moi, je ne suis pas un marxiste, mais j'ai lu Marx quand j'étais jeune. Et je sais bien qu'il y a une lutte de classe, que forcément, il y a des gens qui possèdent et qui tiennent sous la chape de plomb des producteurs, des pauvres gens qui sont en fait ceux qui vont faire marcher les usines, etc., et qui vont leur rapporter beaucoup d'argent. Puisque ces gens-là ont même créé des États, des petits pays. Régner pour mieux diriger. Oui, et puis des petits c'est pays pas plutôt où ils vont mettre... pour mieux régner. Et des petits pays protégés où ils vont mettre
leurs lingots. Enfin, bon, je ne vais pas. Voilà. Et les paradis fiscaux. Enfin, oui, le... oh, ça, bah... c'est... il en faut, parce que sinon, Cahuzac, il aurait mis son argent où ? Ben oui, ben absolument. Bon. Alors voilà, donc c'est voilà. Donc moi, je dis, ce mouvement, rien de commun avec 68. Car en 68, personne n'avait faim. Hein. C'était une révolte étudiante et étudiantine. Ça commençait par les étudiants. Il y avait des... C'était tous des jeunes bourgeois hein, qui étaient nantis, hein, bien sûr. Hein, puisque je vais vous faire un petit rappel de ce que fut 68 et les porte-paroles qui n'ont rien à voir avec... Est-ce que tu veux pas qu'on le fasse après ? Oui, d'accord. Comme ça, on va revenir dessus parce qu'on va revenir sur l'Europe. Voilà. Parce alors, que je pense qu'il y a Régis qui veut qu'on reparle de l'Europe. On va reparler des ronds-points parce que je pense qu'aussi que Philippe veut parler des ronds-points. On va parler de la jeunesse. On va parler de toi qui veux parler de mai 68. Oui. Tu sais que mai 68... Non, quand mais même, on s'en fiche. On laisse tomber. On est en 2018, oui. Mais mai 68, 2018, 2019, bon, est-ce qu'il n'y a pas une similitude non, ce que, non, ce que je voulais dire, c'est que les porte-paroles, aujourd'hui, il y a Flyrider, enfin, il y a certains porte-paroles. Aussi, il y a, mais à l'époque, non. À l'époque, c'était Cohn-Bendit. Oui. C'était Gessmar. C'est d'autres porte-paroles. C'était Balladur. Oui. C'était que des bourgeois. C'est vrai. Et qui aujourd'hui sont sénateurs, sont bah politiciens. Oui, mais ils ont sont... la place, bien sûr, je suis d'accord avec voilà, toi. Voilà, donc c'était... Tout à fait. C'était tout. On va revenir. Une autre époque. Moi, je vais vous parler un petit peu du mouvement qui s'est passé hier. Enfin, on est dimanche aujourd'hui, mais c'est samedi. Samedi 9 février 2019, soit le 12e acte, non, le 13e acte. 13e acte déjà des Gilets jaunes, avec toujours la même catastrophe, la même indignation qui concerne un petit peu les blessés, parce qu'on a encore eu un blessé grave hier qui s'appelle Sébastien Meillet. Et vous étiez là-bas ? J'étais là-bas, j'étais dans la manifestation, je suis parti juste avant qu'il se fasse malheureusement blessé. Alors on n'a pas le tenant et l'aboutissant et je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail, parce qu'on n'est pas là à juger ce qui se passe, on peut juste constater que la répression est toujours là. Qu'il y a toujours des blessés, les forces de l'ordre n'ont pas arrêté, contrairement à ce que beaucoup disent, leur massacre. Maintenant, il est avéré qu'hier, il y a eu un autre problème aussi qu'il faut le dénoncer, c'est qu'il y a eu hier des infiltrés. On a aujourd'hui de plus en plus d'infiltrés, que ce soit de l'extrême gauche, l'extrême droite, des groupuscules. Et aujourd'hui, les manifestations qui se passent surtout sur Paris deviennent plus des cortèges un petit peu à tout va, tout vent, plutôt qu'un cortège bien ciblé qui revendique les mêmes choses et qui revendique nos revendications premières qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun, hein, c'est les salaires, c'est la misère, c'est les retraités, c'est les handicapés, les invalides, c'est les bas salaires, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'on est en constat. Et c'est vrai que moi, je pousse un petit peu des coups de folie de temps en temps sur des lives, sur Facebook, dans le sens où aujourd'hui, notre mouvement, depuis 2 mois, bah, il n'avance pas. Fort est constaté aujourd'hui que, pour l'instant, il n'y a rien qui avance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, pas on assez, peut en débattre. Il n'avance pas assez. Il recule. Non, parce que tout augmente. Je suis pas tout à fait d'accord. Il est normal qu'il y ait des moments où... Ça temporise, parce qu'il faut pas prendre des décisions à la légère. On est là, on fait partie du débat. Aujourd'hui, il faut montrer qu'on est présent. On a l'impression que ça n'avance pas. Il y a des gens qui travaillent derrière. Et il faut trouver une vraie solution. Et c'est pour ça que je parle de l'Europe, parce que je pense que s'il y a une solution de sortie pour sortir de cette crise, c'est vraiment, il faut que les gens prennent conscience qu'il faut sortir de cette Union européenne. Parce que... toutes les revendications que les Gilets jaunes demandent sont impossibles à l'heure d'aujourd'hui à cause de l'Europe. Et le pauvre Macron, il n'y est pour rien. Absolument. Le pauvre Macron, il n'y est pour rien. Et vous pouvez prendre demain Marine Le Pen ou qui que ce soit derrière, parce qu'ils souhaitent tous rester dans l'Europe. Ça sera pareil. Ça sera la même chose. Mais est-ce que tu crois sinon, pas, peut-être même pire. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui, l'Europe, c'est pas bon pour la France. On le sait très bien. Mais aujourd'hui, le peuple, il a faim. Alors, OK, l'Europe, il faut sortir de l'Europe. Mais aujourd'hui, la première chose. Mais ça serait important qu'il y ait une revendication commune et que les Gilets jaunes comprennent c'est que cette arnaque, c'est cette Europe est une arnaque. Bien sûr, mais. Tous les médias chantent la messe de l'Europe. Le problème, c'est que jour après jour, aujourd'hui, OK, il faut sortir de l'Europe. Mais les gens qui sont sur les ronds-points, je pense que vous le savez, les 90% des gens qui sont sur les ronds-points ne comprennent pas pourquoi on est dans l'Europe. Ils ne savent pas ce que c'est que l'Europe. Et ils ne savent rien de l'Europe, quelque part. Et alors, c'est la faute à qui, ça ? Le problème, c'est que c'est la faute. C'est qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est manger, c'est avoir un toit, bien souvent. D'accord. C'est avoir un pouvoir d'achat, c'est avoir des salaires décents. Et le problème aujourd'hui, OK, il faut peut-être sortir de l'Europe. Mais le problème, c'est que si on veut sortir de l'Europe, des gens qui travaillent dans l'ombre, les Gilets jaunes, ce qu'ils veulent, c'est travailler en commun. Ils ne veulent pas que des gens soient dans l'ombre. Aujourd'hui, on a un problème, c'est le rassemblement.
Aujourd'hui, le 17 novembre, si vous vous souvenez-vous un petit peu, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Aujourd'hui, on a encore 3,5 millions de personnes à peu près qui nous suivent en France, au minimum les gilets jaunes actifs. Je ne parle pas des gens qui nous soutiennent sans, dans l'ombre parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Oui, parce qu'il y a 70% de la population qui 70%. Hein? Alors, c'est les sondages des médias, mais enfin, moi, les médias, je me méfie. En général, c'est toujours minimum, on ne rate pas de fait. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne se rend pas compte que l'Europe, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre de voir ce que l'Angleterre va faire en sortant de l'Europe plutôt que... Il faut arrêter d'avoir peur. Aujourd'hui, on est en train de sombrer à une vitesse phénoménale. Et on est en train de se poser des questions, comment ça va se passer? Il faut retrouver notre souveraineté nationale et appliquer ce que souhaite le peuple. Aujourd'hui, on voit bien que les revendications qu'on demande, ce n'est pas la mer à boire, mais c'est interdit par l'Europe. C'est alors, les multinationales. Il y a des choses qui ne sont pas interdites par l'Europe. Bon? Alors, dites-moi quoi, ça m'intéresse. Il y a des choses qui ne sont pas interdites par l'Europe. Ah bon, les retraites, c'est pas... Les retraites sont indexées, ce n'est pas l'Europe qui décide de l'indexation des retraites. Si, elle donne des directives. Elle donne des directives. Tout à fait. Les directives, mais ce n'est pas eux qui l'adaptent. C'est la France qui décide. Non, ils ne décident plus rien. Ils ne décident plus rien. Merci, cher collaborateur. La TVA, ce n'est pas l'Europe qui décide. Ah, bien sûr que la CSG, c'est pas l'Europe qui décide. Les charges sociales des entreprises, c'est pas l'Europe qui décide. Mais je suis si, désolé. C'est le... mais écoutez, moi je suis écoutez, dans une, moi... mon entreprise. Oui, mais... là, je viens d'être taxé d'un truc, c'est la région qui a décidé, c'est pas l'Europe. Oui, non, mais. Donc, c'est parce que l'Europe. Il y a des grandes directives. Après, on les applique. C'est des directives. On les applique, on les applique pas. Mais non, il y a des choses qui ont été obligés. Appliquées. Mais... Non, il y a des choses qui ont été appliquées en France. Que... Mais, non, mais je suis d'accord pour l'Europe, hein, je suis d'accord. Mais les gens aujourd'hui. Oui, mais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont faim. Ils ne vont pas attendre 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on sort de l'Europe pour manger. C'est ça le problème. Non, alors après, on peut leur mentir et dire « Restons dans l'Europe et puis on va bricoler, non, on va faire des débats. » Non, mais, je suis d'accord avec mais ça, c'est du mensonge. Si mentir. Après, on fera en sorte que ça soit le plus rapide possible à partir du moment où on est tous d'accord et que tous les gilets jaunes et tous les Français ont compris que c'était positif pour nous et qu'on... Et même s'il y a notre pain noir à manger, ben on le fera. Mais il faut passer par là. Et même si ça met un peu de temps. Mais... Alors le problème aujourd'hui, est-ce que tu ne trouves pas que, regarde, quand on manifeste le samedi dans toute la France, dans toutes les maisons de France, on voit très très peu de gens dire « faut quitter l'Europe hein. ». C'est le RIC. C'est mais parce qu'on Macron joue. Démission. Justement. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Parce que... Pas moi, c'est... Mais c'est vrai. Je dis votre, oui, peu importe. Le tout, c'est parce que justement, on n'en parle pas assez. Et c'est bien dommage parce que il y a peu de temps, j'ai fait le tour des revendications et je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas compris que si on ne sortait pas de l'Europe, eh ben, tu pisses dans un violon, c'est la même chose. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais que les gens, le français est sceptique. Le français a peur. On le voit, il a peur de tout, le français. Il a raison d'avoir peur parce que quand on regarde... Que ce soit tous les médias qui sont détenus par les milliardaires, tout le monde le sait, tous les médias unanimement vous disent, chantent les louanges de l'Europe. Tout à fait. Et tous les partis politiques chantent, disent, c'est magnifique. Ben oui, ils nous balancent. Donc c'est normal qu'on ait peur si on dit tout le monde dit ça. Alors est-ce que tu comprends que les Français, parce que c'est vrai que nous on s'est renseigné un peu sur les ronds-points, moi je me renseigne un petit peu, c'est vrai que les gens sont contre l'Europe et il y en a beaucoup qui disent, oui, d'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas attendre que l'Angleterre sorte de l'Europe complètement pour voir quels sont les biens et les mauvaises choses qui puissent se passer? Ben oui, mais il n'y a plus que 3 mois à attendre. Il n'y a plus que 3 mois à attendre. Mais en attendant 3 mois, tous les samedis, il y a des blessés. Il y a une précarité qui augmente. La fin de la trêve hivernale arrive le 1er avril avec plus de 270 000 demandes d'expulsion en France. Ça fait beaucoup. Je l'ai lu. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a besoin d'urgence. L'évasion fiscale. Les gens disent que ce n'est pas normal. Ne pas taxer les grandes entreprises alors que l'entreprise que vous avez, elle est taxée à plus de 30%. Oui. Alors, et aujourd'hui, c'est pas l'Europe qui nous interdit de. C'est pas l'Europe, ça ? Bien sûr. Ah, ben. Si c'est pas l'Europe, j'ai pas révisé mon sujet alors. Bien sûr, certainement que c'est l'Europe. Mais aujourd'hui, Macron a les mains liées, on l'a bien compris. Mais je dis, le pauvre Macron n'y est pour rien. Vous voyez, je le plains. Il est pas. Ah, ben, il est pour rien. Le pauvre Macron, il est pas pauvre. Il marche dans le système, mais il est pour rien. Ah, oui, mais en attendant, je vais vous montrer un exemple. Il y a des choses que l'Europe ne sont pas obligées de faire. Les privilèges qu'ont les anciens présidents de la République, l'Europe n'est pas obligée de les accepter, on pourrait les supprimer. Hein. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour supprimer les privilèges. Mais c'est une revendication, ils ont déjà commencé. Bah, ils ne vont pas assez vite. Hein, oui, non, ils vont pas assez vite, car à l'Assemblée nationale et tous les ministres et les sénateurs, leurs enfants, leurs familles, ils touchent 10 000 euros
lorsqu'il y en a un des leurs qui meurt. Oui, d'accord, mais... Ouais, bah, oui, mais vous imaginez. Autre chose, on ça, demande... Ça a été diminué à 3005. Ouais, 3005. Oui, 3005. Oui. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Sauf, oui. Sauf pour les sénateurs. Ouais, mais c'est pas normal. Voilà. Il y a c'est quelque chose qu'on peut parler, par exemple, qui est très bien. Du racket de l'État, oui. Il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas le besoin de l'Europe pour ça, c'est mettre la proportionnelle dans la Constitution pour qu'on puisse voter à la proportionnelle. Oui. C'est une très bonne revendication, il n'y a pas besoin de l'Europe pour ça. Non, non, bien sûr. Les sénateurs, diminuer les députés de 577 à 2 députés par département, par exemple, c'est ça coûterait beaucoup moins cher. On peut largement le faire. Oui, mais pour ça, tout ça, il faut un RIC. Non, mais... Il n'y a pas besoin d'un RIC, c'est le président qui décide. Il issue l'Assemblée nationale, il modifie la Constitution. Non, mais ça, non. Mais il ne voudra jamais. Il n'est pas là. Il n'a pas été payé pour faire ça. Non, mais il devrait déjà, rien que le vote à la proportionnelle, regarder la modification du panel politique en France. Parce que si on vote à la proportionnelle, on ne vote plus à la majorité. Alors, je me permets juste de t'arrêter, Bruno, parce que j'ai une question par rapport au vote proportionnel. Qu'est-ce que c'est, ça, en fait ? Alors, le vote proportionnel, alors, c'est tout bête. Hein. Quand aujourd'hui, on vote à la majorité. C'est-à-dire, par exemple, tu as 30%, hop, tu as ce que tu veux. Mm-hmm. Et si tu as moins de 10%, tu n'es même plus dans le panel. Tu n'as pas de liste de représentatifs. Par contre, quand tu votes à la proportionnelle, c'est proportionnellement par rapport au nombre de voix que tu as eu. Donc, d'accord. Si tu as eu 10% de voix, tu as 10% de représentatifs. La représentativité du peuple. C'est ça qui est bien. Par exemple, s'il y a demain une élection et qu'il y a une liste gilet jaune en France pour accélérer, et il n'a que 8% de voix, il aura 8% de représentative à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. C'est quand même pas mal. Oui. Qu'aujourd'hui, moins de 10%, il n'a rien. Voilà. Il va, les plus bas, il n'y a personne. Ça fait 50 ans que... Ça dure. 44 ans que ça dure. Oui, enfin, 44, bon, quand je dis 50, j'arrondis, qu'un tas de partis politiques veulent la proportionnelle. Mais ceux qui possèdent le pouvoir, que ce soit les socialistes, les gens de droite, depuis 40 ans, ils n'en veulent pas de cette proportionnelle. Ça leur permet de rester au pouvoir. Oui, mais le problème aujourd'hui, il a raison, Pierre-Louis, le problème, c'est que, regarde, les jeunes ne savent pas ce que c'est que la proportionnelle. Vous n'êtes pas éduqués là-dessus. On ne leur dit rien. Alors, aujourd'hui, on est des moutons qui doivent suivre quelque chose de l'État et on ne veut pas donner les solutions à ces problèmes-là. Et la majeure, on nous ment. Partie des infos qui nous viennent des manifestations, des revendications des Gilets jaunes et des actions qu'engage le gouvernement pour la vie en France, leur viennent principalement des médias. Mais bien les sûr. Mêmes qui minimisent le mouvement des Gilets jaunes, malgré les chiffres que tu nous donnes sur le tout mouvement à fait. Global. Mais il y a quelque chose aussi qui est tout à fait vrai. On parle de l'Europe, oui. Mais les réformes qu'a fait M. Macron quand il a été élu, il n'a pas eu besoin de l'Europe pour les mettre en place. Hein. Il n'a pas eu l'autorisation de Bruxelles pour mettre en place. Il a suivi à la lettre les recommandations de il Bruxelles. Il a suivi, mais il n'était pas obligé de les faire. La France est taxée. Si elle ne fait pas des amendes. Alors on regarde pourquoi dans ces cas-là elle a supprimé la taxe écologique au 1er janvier, alors qu'il devait la mettre en place. C'est pour éteindre le feu, mais il compte la remettre d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas interdit par l'Europe. Il doit le faire. Alors les augmentations qui ont lieu, toutes les augmentations qui ont lieu, toutes les premières matières premières, etc., c'est pas l'Europe qui décide. C'est le monde, c'est la demande, l'offre et la demande. En tout cas, même si... On va dire, allez, 80% des revendications sont compliquées parce qu'on est en Europe. C'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai. À partir de là, moi, je trouve, et si vous n'êtes pas d'accord, il faut me le dire, en allant sur les ronds-points, j'ai remarqué qu'il y avait quasiment toutes les mêmes revendications et que personne ou très peu parlait du Frexit, de sortir de cette Union européenne. Ah bah oui, et alors, on parle du RIC, t'as raison. Mais le RIC, en étant dans l'Union européenne, ça ne sert à rien non plus. Mais oui. Donc, ah bah c'est sûr. Et l'information est biaisée parce que c'est des gens très très sympas, c'est même devenu des copains pour certains. Mais malheureusement, quand je discute avec eux, quand je leur explique avec mes mots à moi, ils comprennent. Ils disent « Ah ouais, t'as raison. » Ah oui, le soir, ils regardent BFM TV. Ils sont bien juste informés. Ou CNews. Ils ont peur. Ah ouais, alors quand je leur explique, ils disent « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. » Et sinon, ils ne comprennent pas. Je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord, l'Europe. Mais aujourd'hui... Regardez, on le comprend très bien. Il y a des décisions qui sont prises au niveau du gouvernement. Ce n'est pas l'Europe qui leur impose de prendre ces décisions-là. Mais non, on n'est pas d'accord. Il faut suivre. Écoutez. Il n'y a pas 100% des décisions. Vous avez dit 80%. Mais les 20% restent sont énormes. Il y a des choses qui sont. Ce n'est pas que les 20% qu'on va faire plaisir aux Français.
Nous, on veut les 80. Bah, je vais on ne va pas sur les ronds-points tous les week-ends et avoir eu tant de morts pour prendre 20%. Mais il y a des choses que pourrait faire le gouvernement. Il n'y a pas besoin de l'Europe. Hein. Il ne veut pas. Mais il veut pas faire. Ah, mais bien sûr, ça, c'est un autre problème. Mais non, c'est le problème. C'est pas un autre problème. Bah justement, c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on est dans la rue. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Mais il y a des choses quand même qui pourrait faire le gouvernement. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le faire. Il y a des choses très simples. Par exemple, la CSG. Il n'y a pas besoin de l'Europe, puisque c'est un impôt qui a été créé par la France en 92 par M. Raffarin. Ce n'est pas l'Europe qui lui a dit de la faire. On pourrait aujourd'hui suspendre la CSG pour les retraités. Oui. Et déjà, ça ferait un pouvoir d'achat en plus pour les retraités. Tout à fait. La CSG aussi pour les salaires. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes salariés, voilà, le prélèvement à la source. Il faut savoir que les comptables, ce n'est pas gratuit. Ils prennent 8 euros ou 9 euros par fiche de paye en plus parce qu'il y a des écritures en plus pour calculer l'impôt à la source. Bah oui. C'est des choses comme Une petite aparté parce que... Il y a plein de choses comme ça. Petite aparté sur les salaires, sur la partie d'augmentation du pouvoir d'achat. Je l'ai loupé ça tout à l'heure. Il faut savoir aujourd'hui qu'on incite les chefs d'entreprise à payer les gens au SMIC. Les gens ne le savent pas, parce que quand les politiques parlent, souvent ils disent « on va aider les emplois à bas salaire ». On va aider rien du tout. C'est faux, ça, c'est vrai. Il faut donner une prime quand on surpaye les gens par rapport à un poste de travail. Au lieu de payer le SMIC, on paye 1600, et là, on donne une prime. Ça devrait être l'inverse. Aujourd'hui, on donne des primes quand on embauche les gens au SMIC. Alors le problème, c'est qu'une prime, c'est, si tu la donnes plus de 3 mois, c'est un acquis social. Tu ne peux plus revenir de vue, ça devient définitif dans la fiche de paye. C'est ça l'inconvénient. C'est ça le problème qu'il y a. Aujourd'hui, les charges sont trop fortes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en France qui est assez paradoxal. On est champion du monde de football, mais on est aussi champion du monde des charges, est champion du monde des taxes, on est champion du monde des impôts. Et quand on lit une fiche de paye, on est champion du monde de la complexité d'une fiche de paye. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, moi, mes salariés ne comprennent pas leur fiche de paye. Oui, mais c'est voulu, tout ça, c'est voulu. Non, c'est pas voulu. Si, on pourrait simplifier, mais non. Il y a la simplification qui existe. Oui, oui. Comment ? On pourrait donc c'est voulu quelque part. C'est donc c'est voulu. C'est voulu par l'État. Voilà. Pourquoi ? Parce que la complexité aujourd'hui, c'est quoi ? Il n'y a pas assez d'actifs pour payer les retraités. Ça, ce n'est pas l'Europe, c'est un fait. Il n'y a pas assez d'actifs. De moins en moins. Il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a des solutions très simples. Quand on dit le pouvoir d'achat, c'est quoi ? Par exemple, enlever ou baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Mais il n'y a faire. Pas besoin de l'Europe pour ça. Mais non. Mais il ne veut pas le faire. Pourquoi ? Parce que ça engendre le coût. Il faut trouver l'argent quelque part. Mais l'argent y est. Le CICE pour les grosses entreprises. Les impôts pour les grosses entreprises. Oui, mais là écoute. Là, ah, mais ça fait de l'argent. Ça fait du pouvoir d'achat. Mais l'argent, il faut qu'il parte dans les paradis fiscaux. Non, mais là, il serait là. Il serait véridique. Oui. Là. On n'en veut pas. L'argent, il est là. Le problème, c'est qu'on ne le met pas où il faut. Ah, ben, c'est une répartition des richesses. Ah, ben, donc... S'il y a une nouvelle répartition des richesses à faire, ça veut dire qu'il y a eu en amont une captation des richesses. Ah bah oui, mais ça fait 44 ans. Oui, mais il faut le dire au peuple, les gens. Mais on le sait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Le problème aujourd'hui, parce qu'il faut falloir qu'on finisse un petit peu notre débat, la conclusion qu'on peut en faire, c'est que c'est vrai qu'il faut sortir de l'Europe. Il faut communiquer. Parce que on discute, on est à peu près d'accord. On est tous d'accord, quelques divergences. On peut pas être d'accord sur tout. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu meneurs dans le mouvement. Eh ben, ils devraient lancer ce message parce que beaucoup de gilets jaunes sont désinformés. Mais c'est bien ce que tu dis là, tu vois, c'est parce que, tu vois, j'ai pas du tout envie de me vanter de quoi que ce soit. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que les meneurs, entre guillemets, qu'on peut appeler ça comme ça, les gens qui sont plus médiatisés que les autres aujourd'hui, ne rentrent pas dans ce débat-là. Ils ont peur de quoi ? De l'omerta ? Est-ce qu'ils ont peur ? On va conclure là-dessus. Est-ce qu'ils ont peur du fait qu'ils n'assument pas le mouvement ? Est-ce qu'ils ont peur parce que la vérité, toute vérité est bonne à dire et qu'ils s'occupent plus médiatiquement de leur intérêt à eux ? Est-ce qu'ils ont peur un petit peu des conséquences ou peut-être qu'ils sont pro-européens, on va savoir. Ou est-ce qu'ils sont pro-européens ? Non. Madame Lavasseur. Moi, je ne vais pas parler de madame Lavasseur. Mais par contre, elle est pro-européen, elle l'a annoncé dans le Parisien. Elle a tourné sa liste. Mais par contre, j'aimerais bien quand même parler du number one qui mobilise et qui a mobilisé les Gilets jaunes, c'est M. Étienne Chouard. Et M. Étienne Chouard, c'est clair, il a même fait une superbe vidéo il y a peu de temps dans ses locaux avec M. Ali Asselineau en face. Tous les deux étaient d'accord pour mettre le doigt et diagnostiquer le mal. Le mal, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Oui, mais aujourd'hui... Monsieur Chouard, qui conduit quelque part un peu, parce qu'il en est du reste tous les Gilets jaunes, moi, je le vois. C'est celui qui est le plus
qui est le plus regardé, qui est le plus écouté, entendu, parce que d'abord, c'est un homme d'économie, c'est un économiste, un professeur d'économie, c'est un homme comme monsieur Asselineau. Ce sont des gens érudits qui connaissent les lois, qui connaissent la Constitution, qui connaissent un tas de choses, donc bien au-dessus, je dirais, intellectuellement et au niveau de leurs connaissances, eh bien, ces deux personnes veulent, et monsieur Chouard a dit qu'il ne voterait pas pour monsieur Mélenchon, mais monsieur Asselineau, pourquoi ? Parce qu'il sait que monsieur Asselineau est le seul qui conduit le Frexit. On parle politique, là. Les Gilets jaunes ne sont pas à ce point-là. Ils sont apolitiques, ce sont des citoyens. Alors, pour l'instant, on en est là. Aujourd'hui, on essaie de comprendre pourquoi les Gilets jaunes, aujourd'hui, le mouvement n'avance pas. Il n'avance pas parce qu'il y a moins de monde dans les rues. Il n'avance pas parce que le gouvernement nous méprise. Il n'avance pas parce qu'on est tabassé quand on manifeste et la police se lâche sur des moutons. Hein. C'est ça, le problème, aujourd'hui. Je suis d'accord, oui. M. Chouard, M. Asselineau, je suis bien d'accord. Eh ben, faut le dire. Mais on n'a pas... Mais faut ben, le faut dire. Le dire. Mais tout le monde on est là pour ça. Il faut faire attention à comment le dire. Il faut pas non, non, dire, parce que, il faut non, pas parce dire, que dans, voter, dans, dans les 3 mois... Il ne faut pas leur dire non, voter dans si 3 mois, ça. Je suis il pas faut d'accord. Donner les outils aux personnes oui, pour qu'ils s'amènent eh ben, à la réflexion. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Dans 3 mois, on est tous confrontés, la France entière et l'Europe. Pourquoi ? Pour une élection oui. De quoi ? De députés européens. Oui, tout à eh fait. Bien, eh bien, et alors, on voit bien qu'il y a une demoiselle là qui a été récupérée par on ne sait qui. Qui conduit une liste pour pro-européenne. Okay. Pro-européenne. Et donc, mais... on n'aura jamais une revendication voilà. Avec ça. Ah, ben, il n'y en a pas qu'une, il y en a quatre. Hein. Ben oui, mais, ben oui, ouais. Mais il faut. Monsieur il faut... Lalanne, donc là, c'est grave. Et ben oui, mais il faut faire ses oui, choix. C'est pour dans ça qu'il faut dire aux gens alors, comment ça, ça se passe. C'est la démocratie. Les personnes hein. Qui font ben, alors, c'est bien. Pour que les personnes arrivent à faire leur propre conclusion. On ne dit pas voter ça, ça ou ça. On dit faut sortir de l'Europe. On dit, voilà. Après, on est obligé de citer un seul nom. Mais quelles sont les porte-paroles pour la sortie de l'Europe ? Il y en a deux. Non, mais c'est pas ça. On va continuer. Philippot, on va conclure là. Non. Philippot, on va conclure quoi. Là. Attendez, on va conclure là parce que ce sont quand même, vous me dites ce que vous voulez, ce sont quand même des hommes politiques quelque part. Ah non, non, Monsieur Chouard, il a un gilet jaune. Indirectement, non, ce sont des hommes. Monsieur Chouard est quand même dans certaines choses politique quand même. Faut arrêter. Il fait de la politique. Non, de l'Europe, s'il fait pas de politique, non, je sais pas ce qu'il fait. Non, c'est tout citoyen et politique. Ah d'accord, mais tout citoyen est politique. Oui, Monsieur Chouard, en 2005, il a invité les Français à ne pas voter pour l'entrée dans l'Europe. Oui, mais on a vu ce qu'il a... Eh ben oui, mais on a vu les urnes. Eh ben oui, mais pourquoi ? Parce que des gens comme toi ont peut-être voté pour l'Europe. Ah non, moi, je... non, certainement pas. Non, c'est moi, j'ai jamais voté l'Europe. Bon, alors là, je peux vous le voilà, dire. Moi non plus. Alors, moi, j'ai voté l'Europe. Je me suis fait avouer. On a le droit de faire des erreurs, il n'y a que... Ah, mais j'étais plus jeune. On va conclure. J'ai cru, quand tu regardes... Moi aussi, j'avais, je sais pas. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie, Régis, Daniel, Pierre-Louis, Philippe. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui parce qu'on a assisté à un bon débat quand même. Mais on c'était est pour super. L'Europe, on est pour l'Europe, on est contre l'Europe. C'est normal, c'est la démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. En attendant, on remercie encore une fois UPR et les studios de télévision de leur gentillesse de nous avoir prêté ces studios afin de débattre. Merci beaucoup. Merci et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à UPR et à TV. La prochaine.